YouTube, Smallland, la suite. Alors, on va se rendre maintenant ici. Ok. Bon, bah, on va voir. Hein. On va voir comment ça se bidouille. Hein. Attends, il me suit en fait. C'est ça? Tu me suis? T'es avec moi? Ouais, c'est bon, il me suit. Ça se trouve, c'est un bon combattant. Parce que vous vous souvenez, la coccinelle, elle se battait pas. Mais bon, c'est une coccinelle. Hein. Coccinelle, c'est pas fait pour se battre. Hein. Oh, on a un gecko, ouais. Une gecko d'ailleurs. On va l'appeler Juliette. Ah, ici, c'est là où je viens farmer notamment le bois, en coupant ça. Et on farme aussi la fibre avec le livret. Alors lui, par contre, regardez, il y a une guêpe là. Et ça... Ah, voilà. Oh, il se bat. Oui, GG. Il a pris l'aggro. Oh, génial. Par contre, faut que je me méfie parce qu'il prend pas mal de dégâts, j'ai l'impression. Ça va être commode, ça. Oh, le killer, eh. Par contre, il a perdu de la vie. Viens ici, je vais te donner un bout de... Je vais te donner un bout de nourriture. Là. T'as besoin de manger, regarde ta vie. Ok, super. Oh. Alors, si vous êtes arachnophobe, on va tester l'option. Arachnophobie. On va mettre au niveau 2. Elle est où? Ah, ça lui enlève les pattes. Regardez, elle a pas de pattes. Elle a complètement pas de pattes. Et si je le mets au max? De l'arachnophobie. Ouais. Moi, je préfère... Oh là, ça se bastonne. Elle est là. Aïe, elle est où? Oh. Oh, le Gréco, il s'est fait défoncer. Tête d'araignée, glande venimeuse. Ok. Le Gréco... Tu vas pas rester vivant très longtemps, toi, j'ai l'impression. Oh oh. Ça va se passer là-dessous, hein. Ouais, c'est ça. Et elle est par là-bas. Alors, est-ce qu'elle est pas autour, vous voyez? Genre, est-ce que je peux pas passer plutôt par là pour essayer de la contourner? Parce que, je sais pas comment vous sentez le truc, mais là, en bas... J'ai une sorte de pressentiment sur le fait que ça pue. T'as récupéré ta vie, toi? T'as complètement pas récupéré ta vie. Je vais te donner ça. Tiens. On va attendre qu'il ait régénéré. Il y en avait une par là. Elle est où? Tiens, reste ici. Attends. Reste là. Je vais m'en occuper moi-même. Laisse-moi faire. Bonjour, petite araignée. Je viens... On va faire... Ah voilà. Oh oh, c'est quoi ça? Non. Oh. Viens ici. Qu'est-ce que tu... Mais non, mais il n'y va pas! Trou de balle! T'as failli mourir, hein, Gecko, hein. Ok. Viens avec moi. T'as ta vie? T'as complètement ta vie. On va contourner. Il y a les petits arbustes encore ici, hein. Oh! Crèche d'insectes. Très bien. Il y a eu des combats ici. Oh, on a trouvé un banc. Alors, on est où sur la carte? Il me semble qu'on est sur la bonne voie. On a une guêpe là. Il y a le nid de guêpe ici. Donc si on veut de la guêpe, c'est ici. Les guêpes, ça donne des glandes de venin, je crois. Ah, il y a un bouchon d'appareil photo. Il doit y avoir le flash. C'est ça. Oh bah. Impeccable, eh.
Et ça, c'est quoi? Bah, c'est l'appareil photo qui va avec. Incroyable. Je trouve vraiment l'environnement très soigné. Très soigné. Ça me surprend pour un early access. Le niveau de détail est assez, assez fou. C'est par là qu'on va, hein. C'est au milieu de tout ça. Par contre, là, on a énormément... On a énormément de guêpes. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a un grillage. On va aller voir du côté du grillage. Oh, on arrive près du grillage. Incroyable. Oh, et ça, c'est très intéressant. Est-ce que c'est pas les plantes, ça, alien? Je crois que c'est... c'est l'ail, ça. Ouais, c'est ça, c'est les feuilles d'ail. Je vais en reprendre, ça sert à faire des coffres. Alors... On n'est pas arrivé, mais on se rapproche. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi là-bas? Ça m'a l'air plus gros que la normale, ça. Oh putain, c'est un frelon. Vous pensez que c'est tuable, ça? Attendez, avant de le tuer. Viens avec moi. Ne faisons pas de bêtises. Avant de faire n'importe quoi, on va se poser une petite fonda ici. C'est pas qu'on a peur de mourir, c'est qu'on a surtout peur de faire des longs trajets. Ok. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on sait pas trop si on a un boss ou pas, parce qu'un frelon, c'est quand même une bestiole d'un certain niveau, quoi. Hein. Bon, il a pris beaucoup de dégâts. Hein. Par contre, il fait... Vas-y, défonce-le. Faut pas que je prenne des dégâts. Mon compagnon a été relâché. Tu veux dire qu'il est mort? Oh! Arc en chitine. En chitine. Chitine épaisse. Une version de la chitine ordinaire plus épaisse et plus résistante. Bon, Juliette est morte. Terrible histoire. Bon, on lui donnait pas une grosse espérance de vie non plus, mais bon. Ouais, partout. Merde, l'épée, je peux pas. Il faut du silex. J'ai trop attendu. En espérant qu'on ait pas de soucis majeurs. Oh, il y a un plot là-bas. Attendez, on va aller voir la vision qu'on a ici. Ça, c'est de la résine, on connaît. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une sorte de blatte. C'est complètement une blatte. Elle serait où, Jeannette? Si on en suit la logique du jeu, on devrait avoir... Ouais, ça va être par ici. On devrait avoir un arbre pour s'installer. Alors remarquez, j'ai... pas loin, j'ai mon respawn... On essaierait bien juste de faire un test standard de meurtre. Et ça nous permettra aussi de savoir ce qu'on récupère dessus. Ça a pris du dégât. Ça va être du contendant, ça? Oui. Oh, c'est costaud, hein. Oh, ça fait mal. Tempête approche, mettez-vous à l'abri. C'est vraiment le moment. Hein. Barrons-nous. C'est bon, il vient pas. Je me suis fait défoncer. Il y a la tempête qui arrive. Mais putain, quel sens du timing! Ok, super. Et ben voilà, on peut attendre ici. On va se faire une petite, un petit avant-poste ici. Je vais voir si je peux pas me préparer un petit truc à manger. J'ai rien du tout. C'est des têtes d'abeilles que j'ai. C'est bon. J'espère qu'on va pas rencontrer un truc chelou ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah ouais, on a des mouches tsetse là.
vieux pneu de bagnole. Oh, les décors sont stylés. Ah, ah. Ça y est. Petit bâtard. Oh, hé, hey, ça va, oui. Oui. En plus, on récupère des trucs qu'on s'en fout. Œil d'insecte, ok. Pas très intéressant. Ok, on se rapproche doucement de l'endroit où on veut aller. Je vais juste jeter un œil ici. Poubelle et tout. Oh. Oh. Il est tellement chiant, lui. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais l'espèce de roncier, je pense que c'est là où il y a toutes les araignées. Mais alors, elle est où? Je me rapproche, elle doit être plus bas. Oh, j'espère que je me suis pas planté sur l'accès. Oh, what the fuck? Oh, si c'est bon, on doit pouvoir descendre par là, je pense. Ah ouais, ça pue, ça. Ça, on a un changement d'ambiance musicale. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Par contre, on n'a pas d'arbre pour notre base. C'est un peu chiant ça, parce que pour les réparations, ça va nous compliquer la vie. Oh là 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 là. On a une araignée. C'est quoi ça? Essayons d'observer d'abord. Elle m'a vu. Bon ben. Ok, pattern comme sa copine. Oh. Pattern exactement comme celle loup. Stam. Veuve noire. Ah oui, carrément. Ah, on a déverrouillé quoi? Lance en chitine et hache en chitine. Oh, sympa. Et on a fait un haut fait, mais j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. On a de l'écorce au sol. Ça veut dire qu'on va pouvoir construire en écorce. Sachant que pour l'écorce, il faut du bois et de l'écorce. Donc on va pouvoir faire des constructions en écorce ici. Ça doit être l'endroit où on va s'installer. Par contre, elle est où, Jameline, là? Elle est par là? Elle est peut-être plus haut, je pense. Je pense pas qu'elle soit mise pile au milieu. Elle a dû se mettre en lisière. Oh putain, il y en a encore une là-bas. Elle est là-dedans? Elle est peut-être là-dedans. Il y en a une là. Ah, c'est... Cherche Chitine Boutin. On m'a pas vu, bon, on va la tuer. Hein. Oh oh, plus de stam. Elle empoisonne ou pas? Ouais, elle empoisonne grave. Il me faut de la stam, là. Oh. Ça touchait pas, là. Oh là là, il faut qu'il fasse un truc pour que ça soit plus précis, hein. Elle serait par là, Ginette, là? Oh oui, regardez en bas, là. Attendez, elle est au milieu du... Elle est au milieu du nid, là. Alors, comment je descends, là? Peut-être par là, hein. Oh, il y a des bougies. Elle serait là-dedans? J'ai pas trop envie de descendre, parce que si j'ai du mal à remonter,
voyez ce que je veux dire? La voie Ginette ou pas? Ouais, c'est peut-être là. Allez. Est-ce qu'il y en a qui auraient bien sauvé avant de faire ça? Allez là! Par contre, j'ai aggro des trucs, non? Ah, je vais crever là en descendant, non? Ah non, là, regardez. Sur les... Je pense que sur la cage thoracique, ça va être bon. Ah, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une cage thoracique humaine, ça. Non? Ah! Ouais! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette supercherie? Ah, ça y est! C'est bon. Tout va bien. Mais... Je me suis bloqué. J'en peux plus. Mais bordel! Mais testez vos jeux! Mais c'est quand même un truc de fou! Mais comment va-t-on faire? Attendez, j'ai peut-être une idée. Non mais... Ah mais là on peut pas. Je peux pas traverser, je suis coincé. Je suis... Ah, je peux pas passer. Je suis coincé dans le décor, les gens. Bon bah voilà, fin d'histoire. Mais je me... Je suis coincé, à l'aide. Bah comment on va faire pour passer là? Et si je meurs, je perds tout mon stuff les gens. Hein. Ça me saoule. On a toujours trouvé des chemins alternatifs qui font que je me bloque dans les textures. On est d'accord, hein, bug de texture. Hein. Ma vie est merdique. Mais... Oh si, attendez, oh, j'ai une idée. Se débloquer. Non. Je veux pas mourir. Attendez, j'ai une idée. C'est quand même un truc de fou. Mais non, parce que le problème, c'est que si je meurs derrière le décor, je vais jamais pouvoir récupérer mon stuff. Et j'ai pas envie de me retaper, vous voyez, toutes les constructions à la con. Donc là, je vais réapparaître sur le lit qui est près des cafards. J'espère. Yes, c'est bon. Bon alors attendez, du coup faut passer par en dessous en fait. Pour aller la rejoindre de l'endroit je sais pas quoi. Donc c'est pas par là, c'est faut descendre dans les araignées en fait. Ça paraissait correct comme itinéraire, on est bien d'accord, avec les petites racines et tout pour descendre. Ça avait du sens. Voilà par contre là il y a où hein. Va-t-on pouvoir descendre par ici? Peut-être là. Ouais mais après on descend pas plus bas. Jusqu'à là, on était bon. Mais du coup, nous, on était passé par en haut. En fait, faut passer par en dessous. Ah, mais elle est revenue, elle. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, elle est coincée dans le mur, elle m'a pas vu. Ah, si, merde, elle m'a vu. Oui, c'est ça, fais des trucs avec tes pattes. Vous voyez pas attaquer systématiquement parce que j'attends que ma stam remonte. Faut garder une barre de stam à moitié. Villain bait. Les gens me détestent. Oh, il y a de la lumière, c'est par ici. Je pense que c'est par là. C'est juste que j'ai pas envie qu'il y ait un truc qui surgisse trop gros. Ah. Ah, ça paraît correct, ça. Ne passons pas par au-dessus. Passons par en-dessous. Ah, ça me paraît bien, ça. Regardez. Il y a une petite planche. Il y a un petit itinéraire. Ils sont complètement cinglés de s'installer là. Hein. Attendez. attendez. On va faire les choses correctement. Point de réapparition défini. Elle est par là, hein. Elle est complètement par là. Ça va, les arachnophobes, vous êtes sereins? C'est quoi, ça? Ah, besoin de cisaille en silex. Oh, cisaille en silex, j'avais. Oh, oh. Araignée.
Ça va aller, ça va aller. Elle est gentille, elle. Oui, je crois qu'elle est gentille, celle-ci. Vous vous souvenez? C'est celle qui attaque pas. Celle-ci, là. Vous voyez? Elle est gentille, elle. Attendez. La chambre de la chouette. Gigantesque créature humanoïde qui errait autrefois à la surface. De gigantesques créatures humanoïdes qui erraient autrefois à la surface. Il manque un truc bizarre. Les hominis leur prêtaient le nom de géants. Nul ne connaît la raison de leur disparition, mais depuis cet événement, les hominis ont prudemment commencé à sortir des galeries pour explorer la surface. Bon, on a compris, hein, les géants, c'est les humains. Lysandra, vous penchez, et je me suis bloqué dans votre décor, et vous m'avez laissé galérer comme un connard. C'est pas très gentil. Qu'est-ce qui vous amène aussi loin dans les marécages? Je fais partie de l'avant-garde. J'explore la surface à la recherche de tout danger susceptible de représenter une menace pour notre peuple. Enfin, pour l'instant, on a eu pas mal de dangers quand même. Hein. Que puis-je faire pour vous, membre de l'avant-garde? C'est Skadi qui m'envoie. Elle a suggéré que vous sauriez peut-être comment le scarabée rhinocéros s'est frayé un chemin jusqu'à la plage. Quoi? Le scarabée rhinocéros sur la plage? Dites-moi en plus. Lui parler de la situation. Très intéressant. Un problème sublimaire me préoccupe depuis quelque temps. Il est peut-être lié à ça. L'autre nuit, j'ai aperçu quelqu'un rôder dans les marécages, mais je n'ai pas vu de qui il s'agissait. Peu de temps après, une araignée albinos géante a surgi de derrière les murs ouest des marécages pour faire son nid dans une grotte au sud-ouest d'ici. Recueil mis à jour. La créature a fait preuve d'une hostilité et d'une imprévisibilité exacerbée. Dernièrement, j'ai peur qu'à cause de son incommensurable puissance, l'ordre naturel des marécages soit bouleversé. Si vous pouviez éliminer l'araignée et me rapporter l'un de ses yeux, cela me permettrait de l'examiner. Je découvrirais peut-être la raison pour laquelle l'araignée a si soudainement changé de comportement. C'est une tâche dangereuse, mais je crois en vos capacités et en votre bravoure, membre de l'avant-garde. Je vais aller vous chercher tout ça. Vous avez vu qu'elle est en train de bercer un petit bébé araignée? C'est quand même kawaii, hein. C'est un bébé araignée que vous tenez dans les bras? Oui, c'est exact. Elle s'appelle Sigwen. Elle est peut-être minuscule et adorable, mais une seule de ses morsures suffira à paralyser un homme adulte. Ok, existe-t-il un antidote de poison d'araignée? Oui, j'en connais tout un tas d'ailleurs. Certains sont aussi efficaces que l'eau d'une mare, tandis que d'autres peuvent sauver un homme d'une mort certaine. Celui-ci est très puissant. On a débloqué la recette pour avoir un truc anti-araignée. Pouvez-vous me fabriquer une armure? Ma grand-mère m'a appris que tous les organes d'une araignée avaient une utilité. Contrairement à moi, elle les détestait. Mais elle était capable de fabriquer des tenues de protection, les tenues de protection les plus robustes qui soient, sans pour autant sacrifier l'agilité de leur porteur. Je peux vous fabriquer une, mais vous allez devoir me fournir les matériaux nécessaires. Oh oui. Masque de soie. Pièce de textile. Donc ça va être dans notre bande textile. Et du coup, on sait comment on récupère la soie, c'est en tuant des araignées, ce qui est assez cohérent. Alors celle-ci, ça va être mon armure fétiche. Et elle est où ton araignée chelou, là? Albinos? Elle est là-dedans. Bon, bah on va essayer de trouver la sortie. Je pense qu'on était censé rentrer par là. Pas mettre ton épée, c'est juste au cas où, hein. Ah ouais, regardez, on est dans les méandres. Méandres des araignées. Il y a un passage là? C'est inquiétant. Il y a l'épée là? Oui. Oh, il y a une lumière là. Ça, je vous le donne, Emile. C'est des zones qui vont se débloquer par la suite. Oh, le trajet à la con. Je vais mettre une petite structure juste devant pour qu'on puisse s'y retrouver quand on recherchera l'entrée de ce truc-là, parce que là, merci. Hein. En plus, avec toutes les toiles, on n'y voit rien. Ah bah voilà, on est arrivé. Bon, ça va, on a des lumières, on peut pas rater non plus. Hein. Du coup, on est là. Et nous, notre... on a un grand arbre ici ou pas? On a... J'ai entendu un bruit par là. Ah bah voilà, gagné. Saleté.
vois rien. Ça va être commode. Faut jouer au son. C'est d'aller par là. Mais attendez, j'ai un problème de caméra. Ma caméra est coincée. Ma caméra est coincée. Attendez, je vais aller à l'intérieur. Caméra coincée. Je vois rien. En fait, la caméra ne recule plus. Avant, elle reculait, elle ne recule plus. C'est fini. J'ai réussi à faire bugger la caméra. On se bat au son. Vas-y, fais ton greu. Raté. Par contre, je vois rien. Hein. Je vois autant que vous, hein. Rassurez-vous. Saleté. Hein. Bon, elle revient la caméra ou pas là? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai touché sur une touche qu'il faut pas? Attendez, on va regarder s'il y a une touche pour la caméra. Caméra orbitale. Left alt. Grave pas. Ah, c'est W. Faut que je la vire cette touche, ça sert à rien. Bon, on s'en est bien sorti. Alors par contre, il va falloir qu'on retrouve la sortie de ce truc-là. Voyons voir. Je pense qu'il faudrait qu'on parte. Putain, mon arbre, il est là. Il n'y en a pas un plus près. On en voit un ou pas, là? Parce que là, il y a des nouvelles ressources, ici. Hein. On apprécie, mais on n'a plus de bouffe. Je regarde. Ah si, j'ai du boudin. J'ai du boudin de scarabée. Ok, par contre, on a de l'écorce ici. Ça, c'est bon signe. Ah, du coup, il faudra que j'aille chercher mon sécateur. Oh là, il y a de l'écorce partout ici. Ça, c'est splendide, ça. Et alors, c'est marrant. Vous avez vu, il y a des bougies. Faut qu'on s'installe un petit camp là-dedans. Hein, pour aller visiter tout ça. Regardez ça. Il y a des os, c'est tout. Est-ce qu'on voit des trucs chelous à tuer? C'est ça la question. Alors, ça serait par ici. Faudrait que je vois si j'arrive à trouver un arbre. Il n'y en a pas un là? Est-ce que moi, mon arbre est là? Si je pouvais en trouver un plus près, genre là derrière, ça serait parfait. Moi, ça m'arrangerait, hein, ça me ferait moins loin. Hein. Parce que là, jusqu'au marécage, ça va être folklorique. Hein. Et d'ailleurs, on en est où en termes de soie? On en a... Ah, il m'a touché. Oh, il y en a deux. Alors là... Ah, c'est la planquette. Hein. Oh! La torche est cassée. Faut se barrer. Là, il n'y a pas le choix. Quand ils sont plusieurs, il faut se barrer. Par contre, le mec, il vient changer les bougies tous les jours. Ah oui, ça doit être compliqué. Hein. Bon, vous me lâchez un moment ou pas? Ah, c'est bon, il n'y en a plus qu'une. Par contre, on va avoir besoin... On va avoir besoin de changer d'arme à un moment. Non. Bien joué. Oula, la stam. Allez, la stam, là. Oh là là. Je vais me faire des popos de stam, hein, parce que c'est insupportable. Hein. J'ai pas de soie sur les L. J'ai pas de soie sur ces trucs-là. Par contre, on a vu qu'il y avait des espèces de... C'est quoi ce bruit? Oh, oh. Oh putain, ça c'est gros, ça.
petit bâtard. Oh, tu vas vite, hein. L'animation est un peu miteuse, hein. Ça va être compliqué. Oh. Soin. Oh, c'est quoi ce pattern de merde? Oh. Oh putain, mais on va se faire attaquer partout là! C'est un marécage ou quoi? Oui, c'est un marécage. La stam, s'il te plaît! Voilà, oh, portée de la langue là, c'est abusé ça! Bon, je suis bien conscient que c'est une grenouille, mais quand même! Oh, ça va être le décès! Pas t'en aller, pas me laisser tranquille. Tu peux pas te bloquer. Évidemment. Ouais, ça va, j'ai eu peur que vous êtes un peu con. Hein. Ah, elle a attendu que le combat... Oh, j'ai cassé mon épée en silex. Bon, c'est pas grave, on va la faire au marteau. Oh, je l'ai assommé. Ah non, j'ai cru. J'ai cru que je l'avais assommé, mais pas du tout. Grossière erreur d'évaluation de ma part. Alors faut se méfier au marteau parce qu'on peut pas mettre autant de coups. Oh, bien vu. Ouais, au marteau, en fait, avec l'épée, vous pouvez enchaîner deux roulades d'attaque. Saleté. En plus, tu donnes pas de soi, toi. Bah, c'est de la merde. C'est de la merde, j'ai plus de vie et je suis empoisonné. Par contre, j'ai plus d'armes. Hein. Ça commence à sentir assez mauvais. Hein. Alors, vous me direz, jusqu'à maintenant, ça sent mauvais. Hein. On est parti sur du malodorant dès le départ. Oh putain, il y en a encore une là. Est-ce que c'est le bon chemin? Ouais, peut-être. À mon avis, c'est après le tunnel. Je peux pas la faire discrètement, elle. Ah, c'est bon, elle s'est barrée. Elle m'a pas vu. Regardez. Invisible. L'invisibilité. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Surtout, je vois encore une araignée là-bas. C'est complètement une araignée. Est-ce que c'est une qu'on s'en fout? C'est une veuve noire ou pas? Coton d'araignée. Ah, il faut les cisailles, hein. À mon avis, c'est là qu'on a la soie. Oh, celle-ci, elle donne de la soie. Celle-ci donne de la soie, c'est sûr. Oh oui, c'est bon, c'est une veuve noire. Madame la veuve noire, s'il vous plaît. Est-ce que l'arc, ça lui fait des dégâts, elle? Oui, ça lui fait des dégâts. Petit bâtard. Oh. Petit stam.
Oui, deux soies. Oh, c'est bien. Oh, je suis content. Ok. J'espère qu'on va pas croiser notre grenouille. Les grenouilles, elles me font flipper. Parce qu'en fait, j'arrive pas à lire leurs attaques et ça m'énerve. On est complètement au fond du trou, là. Comment on remonte, là? Ici? Oh oui. Regardez le génie. Observez bien. Observez bien comment ça se passe. J'ai trouvé un raccourci. Merde, comment je vais faire pour monter là-haut, moi? Ah mais si, regardez, là, je peux monter. Oh, mais c'est complètement adapté. Et voilà. Hop là. On passe là dans ce petit... Et ben voilà. Pouh, bah dis donc. Alors, est-ce que j'ai un arbre, moi, par ici? Il y a l'air d'avoir ce gros truc, là. Ça, ça promet... Alors, on va aller voir si on peut pas... Parce que là, il faut que je répare. Hein. J'ai... Mon marteau est bientôt foutu. J'ai plus d'épée. C'est calamiteux, ce qui se passe. Regardez. Hop, direction l'arbre. C'est pas du tout un arbre pour s'installer, ça. Hein. On est d'accord. Qu'est-ce que c'est que c'est... Je m'étais mis là pour voir, avoir une meilleure vision. C'est mal fléché, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de grand arbre ici, on est obligé de se taper tout le chemin jusqu'à l'autre bout de la map. Bon bah là, ça va être un long et pathétique et super chiant trajet. Mais il faut qu'ils arrivent à trouver un système. Alors, l'idée des montures est bien, il faudrait qu'ils fassent des montures plus rapides. Après, c'est vrai que l'idée, c'est aussi de ne pas éviter les combats. C'est quoi comme araignée là-bas? Parce qu'on n'a pas envie de se taper... C'est peut-être pas une araignée, remarquez. On aura plein d'écorce. Bah, on va devoir se faire un avant-poste avec tous les établis qui vont bien au niveau de la zone araignée. Parce que sinon, on va se faire, on va s'embêter en fait à aller à chaque coup rentrer à notre base. Pouh, ça y est, on est rentré. Bon, il va falloir qu'on essaie de voir comment on peut déplacer là-bas. On va falloir que je trouve un endroit où mettre tout ce bordel. Alors par contre, ce qui est bien là, c'est qu'on a récupéré de quoi faire l'établi. Avant, on va réparer parce que sinon je vais oublier, je me connais. Faut vraiment s'arrêter toutes les 5 minutes pour réparer. Hein. Parce que si jamais vous vous retrouvez, vous voyez comme moi là, à pas avoir les compos sur vous, vous êtes bon pour rentrer à la base. Vous tapez l'aller-retour pour réparer. Et quand elle est loin comme ça, bon, le trajet s'est fait relativement vite, mais les trajets, on sait très bien, hein. C'est chiant. On a 10 de soie. Alors, ça veut dire que... Métier à tisser, c'est ça qu'on voulait faire. Machine complexe, que seuls des experts, donc ça, ça tombe bien, c'est moi, peuvent fabriquer. Permet de tisser des cordages. Et des tissus. Ah bah ça va, c'est petit. On va mettre ça en bas. Alors, éventuellement, ce qu'on va faire, pour des raisons évidentes... d'optimisation. Oh, regardez, moulin. Structure à construire. Applique de fleurs. Crochet. Lance-grappin. T'as lance-grappin pour se déplacer, mais c'est fantastique. Oh, mais ce jeu se bonifie de minute en minute. Ah, attendez, on va faire un truc pour se simplifier un peu la vie. Faut juste que... Voilà. On va ramasser tout le bordel qui est là. Comme ça. On va aller chercher l'établi là-haut. Ok. Ok, on a nos cuirs, nickel, ça c'est bon. Et du coup, on a ça. Alors, métier à tisser, avec fuseau. Hein. Ah, ficelle en fibre. Ah, c'est bien ça. On avait un truc qu'on pouvait faire, c'est juste à côté. C'était... Massue empoisonnée. Il y a la hache en chitine. Dégâts tranchants. On avait récupéré la lance de ficelle. Massue empoisonnée. Oh, ça c'est bien ça. Allez, on fait tout. Ragoût d'araignée. Oh, ça fait envie. Hein. Alors, on a la masse. Hein. Oh, regardez ça. Oh, putain, ça a l'air violent. Non? Ça a l'air complètement violent. Hein. Je range un peu le bordel et ensuite on va repartir et on va installer un camp à l'entrée de la zone des araignées. Ça va être plus simple, hein, je pense. Ah, une tempête approche. Bon. Catastrophique. C'est bon, on a une friandise pour sauterelle. Concentrons-nous. On va lui mettre un coup dans sa mouille et ensuite on va la dompter.
C'est bon ou pas? Oh. Attends, j'en mets un deuxième. Ah, je l'ai eu là. Je l'ai eu. Oh, elle est morte. Attends, je te donne à manger. Ah bah j'ai rien. Ah si, peut-être donner une créature. Tiens, mange. C'est du ragoût de scarabée. Prends le boudin de scarabée. Sauterelle. Oh, regardez ça. C'est bien, petite mémère. Oh, t'es mignonne comme tout. Tu vas tellement mourir vite, toi. Alors, chevaucher. Ah, c'est une monture. Magnifique. Ah, c'est déjà plus maniable. Elle saute ou pas? Oh, yes. Oh, bah voilà. On a un moyen de locomotion. Ça va très vite. Par contre, elle endue... L'endue, c'est pas ça. Hein. Oh, mais attendez. Elle prend des dégâts de chute, elle, ou pas? Attention, on teste. Hein. Ne riez pas. J'habite par où, moi? Je crois que c'était par là-bas. Attention. Nickel. Ah non! Allez, on va lui péter la gueule. Il est où? Ah, t'aimes pas la nouvelle masse, hein? Oh, je l'ai empoisonné, regardez ça. Oh, la brutalité. Ah bah voilà, j'avais oublié les potions. Allez, on est parti, petite sauterelle. Ah, on passe rapide. Oh putain, le crapaud, il est là. T'as vu? C'est le crapaud. Il a tenté de me tuer tout à l'heure. Ce petit bâtard. Oh oh. Elle est où? Ah, t'es là. Oh, mais t'es toute moisie, toi. Un coup dans ta mouille. Oh, les patates de foin que je lui mets. Ouais, ça suffit. Ah, dommage, plus de stam. Oh, la punition. Allez, viens avec moi. On peut peut-être descendre par ici. Ici, j'ai de l'écorce. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se faire une structure de type solide. Alors attention, j'ai ma cisaille. D'accord. De la soie. Oh! La soie à gogo, les gens. Regardez ça. Parfait. On a des œufs d'insectes et on a de la soie. Eh ben, on va farmer. On a des champignons là, ça veut dire qu'on peut se faire à manger par ici. Je prends encore un peu d'écorce. J'en ai combien? J'en ai 17. Normalement j'ai assez pour faire ce que j'ai envie. On va se mettre là. Oh mais regardez ça, on a les arrondis. Mais c'est exceptionnel. Ah ils sont sympas les trucs en bois, hein, parce que ça permet de faire des formes un peu moins... Enfin un peu plus... Enfin vous avez compris quoi. Et enfin, regardez, on a les triangles. Parce qu'en fait, le problème qu'on avait avec les trucs en feuilles, c'est qu'on pouvait pas mettre des trucs triangulaires. Et donc, ça prend son sens, ce truc-là. Vous voyez? Oh! Regardez ça. Ça donne quoi? Bon, évidemment, là, le toit, c'est par accord. Il aurait fallu qu'on fasse la baraque arrondie sur tout le long. C'est sympa, hein? Oh, les designs sont propres, hein. On a de la soie. On va repartir. D'autant que... On a un moulin. Ah, bah, faut de la... Bah, on a tout ce qu'il faut, regardez ça. On a de la soie. Ah, 10 de soie. Si, c'est bon.
Si c'est bon, on aura tout ce qu'il faut. Oh, comme ça, on va pouvoir tester. Les ailes autour de l'araignée permettent de capturer le vent. Une machine interne se charge de réduire les ingrédients en poudre. C'est avec ça qu'on va pouvoir faire de la farine. Est-ce que je vous montre ma technique pour me TP à ma base? Alors, je vous explique. Je voulais pas l'utiliser, mais là, il est tard et j'ai pas envie de passer des heures là-dessus. Vous voyez, j'ai mis mon point de spawn sur ce lit-là. D'accord? Si je l'enlève, mon point de spawn... Voilà, et réinitialisé par défaut. Et comme j'ai claim un bâtiment, normalement, je crois que je me reconnecte dedans. Donc en gros, quand vous partez farmer, vous posez un lit à l'endroit où vous farmez, vous faites votre vie. Et une fois que vous avez fini, vous enlevez votre point de spawn. Vous revenez au menu. Hop. Et vous relancez. Ah non, perdu, regardez. Si, si, on est dans la base. Alors, on a récupéré de quoi faire le moulin. Ça se met dehors, ça, le moulin, de toute façon. Oui, c'est ça. Hein. Alors. C'est gros ou pas? Oh! Bah, il suit le vent, oui. Ça sert à rien de le pivoter. On va le mettre là. Oh, four de pierre, fourneau. On a redébloqué des trucs. Putain, on n'arrête pas. Et ça permet de gagner, faire de la farine. Et il faut encore des graines. Ok. Oh, il est incroyable ce truc, et regardez ça. Ça a du style, hein. YouTube, j'espère que ça t'a plu. À la prochaine.